C'est bon ? Ouais. Kidexpo, c'est un événement qui présente tous les produits et les services pour la vie quotidienne des familles. Toutes les nouveautés qui vont concerner leur quotidien, à savoir une partie très pédagogique qu'on appelle éducation et vie pratique, dans laquelle vous allez retrouver de l'alimentation, de la santé, de la culture, du service aux parents, des animaux. Un deuxième univers qu'on appelle sport, tourisme et loisirs, dans lequel vous allez retrouver tous les loisirs que vous allez pouvoir faire en famille avec vos enfants, que ce soit du sport ou que ce soit du tourisme, des destinations de vacances en famille. Ce matin, on fait une petite séance de bébé nageur, initiation natation, découverte de l'eau, bref, tous les plaisirs aquatiques. Si c'est un bébé, l'échange vient plutôt avec les parents sur les bons gestes à avoir lorsqu'on fait une session de bébé nageur. Quand c'est des enfants qui sont un peu plus grands, qui ont 4-5 ans, qui sont en pleine découverte de l'eau, de la natation et de la nage, eh bien, c'est essayer d'avoir les bons gestes, leur apprendre à nager tout simplement. Et surtout, enfin, pour moi, je pense que ça veut avant tout sauver des vies. Et enfin, bien sûr, Kidexpo, c'est la plus grande salle de jeux de France où, à deux mois de Noël, tous les nouveaux jeux et jouets qui vont se retrouver sous le sapin de Noël sont présentés ici et à tester en avant-première. Dixième édition de Kidexpo, une édition exceptionnelle pour nous parce que c'est l'âge moyen de nos petits visiteurs. Deux nouveautés principales cette année, une grande scène avec un show permanent où les enfants peuvent rencontrer leur héros préféré, danser, rire, s'amuser et un goûter géant. Kidexpo offre tous les jours à partir de 16h un goûter aux enfants et à leurs parents pour recharger leur batterie avant de terminer leur visite.